Debout. Salut tout le monde, et on se retrouve donc pour probablement la fin. Je veux qu'on en finisse de Assassin's Creed aussi vite que possible. Si vous le dites. Ne faites pas cette tête, monsieur Miles. Ce jour s'annonce historique. Il marquera nos mémoires pour les années à venir. S'il le dit. Pour certains d'entre nous. Ça veut dire quoi, ça? Bon, bah on y retourne. Voilà. C'est reparti. Si vous voulez réussir, vous devrez procéder méthodiquement. Débarrassez-vous des archers et des gardes avant d'affronter votre cible. Oui, non. Passer ici. Où sont-ils tous? Partis rejoindre le maître. Les Templiers, ils ont encore attaqué? Ils arpentent le chemin. Quel chemin? Qu'est-ce que tu racontes? Le chemin vers la lumière. Sois plus clair. C'est le chemin que le maître nous a indiqué. Celui de la vérité. Tu as perdu la raison. Vous aussi devez suivre le chemin, ou vous mourrez. C'est la volonté du maître. C'est Al-Mualim, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Gloire à notre maître, c'est lui qui nous guide vers la lumière. Bon, ok, on dirait qu'ils sont pas tout à fait nets, les gens, aujourd'hui, hein. Ils sont pas nets, les gens, là. Il y en a pas beaucoup, en plus. Les autres sont morts? Tu es où, là? Ok. Non. C'est des assassins, donc ils sont un petit peu plus coriaces. On peut les avoir que par contre avec la lame cachée. Aïe. Non. Ah, ils sont trop longs à faire leur coup. Voilà, comme ça. Et ils sont fanatiques ceux-là. Lâche-moi. Il doit mourir. Et s'il le dit. Ouais, c'est du combat à la chaîne là, hein. Bon. Aïe, ça fait mal. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Altaïr, par ici! Ah, voilà. Je crois que tu tombes à point nommé. C'est ce qu'on dirait. Tu dois te méfier, mon ami. Al-Mualim nous a tous trahis. Oui. Comme il a trahi ses alliés templiers. Tu étais au courant? Je suis retourné sur les ruines du temple de Salomon. J'ai trouvé un journal dans lequel Robert consignait toutes sortes de révélations. Ce que j'ai lu m'a brisé le cœur. Mais cela m'a aussi ouvert les yeux. Tu avais raison, Altaïr. Eh bah. Notre maître nous a manipulés. En croyant délivrer la Terre Sainte, nous la lui avons livrée. Il faut l'arrêter. Sois prudent, Malik. S'il en a l'occasion, il nous éliminera comme les autres.
Ne t'approche surtout pas de lui. Qu'est-ce que tu suggères? Mon bras est toujours vaillant, et mes hommes me suivront. Ce serait une erreur de ne pas compter avec nous. Alors tentons une diversion. Lance une offensive contre la forteresse. Si tu attires l'attention des esclaves, je pourrai affronter Al-Mualim. Je ferai selon ta volonté. Nos adversaires, ils sont manipulés. Épargne-les si tu le peux. Bien. Mes hommes et moi sommes restés fidèles au credo. Nous n'agirons pas comme le maître. Je ferai de mon mieux. C'est ma seule condition. Paix et sérénité, mon ami. C'est à ton courage que nous devrons notre salut. Bon. Je vais les calmer, ces gens-là, moi. Tous ces innocents. Je dois prendre garde de n'en blesser aucun. Jamais enfui. Et tu ne m'as jamais écouté. C'est pourquoi je suis toujours en vie. Que vais-je faire de toi? Eh ben... Laissez-moi partir. Oh, Altaïr. Tu dissimules mal ta haine. Je la ressens. Te laisser partir? Voilà qui serait bien imprudent. Pourquoi faites-vous cela? J'ai trouvé la preuve. La preuve de quoi? La preuve que rien n'est vrai. La preuve que tout est permis. Venez, tuez le traître. Il n'a pas sa place en ce monde. La vache! Je me fais attaquer par les mecs que j'ai tués. C'est quoi ce merdier? Non, Robert, désolé, je t'ai déjà tué, toi. Non plus. Les morts doivent leur rester. Voilà. Affrontez-moi. Auriez-vous peur? J'ai fait face à plus de 1000 hommes. Tous étaient plus puissants que toi. Et tous sont morts. Par ma main. Tu ne me fais pas peur. Prouvez-le. Que pourrais-je craindre? Personne ne peut plus rien contre moi. Multiclonage! Alors que vous partagiez ses ambitions. Je n'ai jamais aimé partager. Vous ne vous en tirerez pas. D'autres trouveront la force de se dresser contre vous. Et c'est pourquoi, tant que les hommes auront leur libre arbitre, il ne pourra y avoir de paix. J'ai tué le dernier qui tenait ce discours. Quelle audace, mon garçon! Mais ce ne sont que des mots. Dans ce cas, relâchez-moi et vous verrez bien. Dites-moi, maître, pourquoi ne m'avez-vous pas formé comme les autres? Pourquoi m'avoir laissé mon libre arbitre? Un homme agit toujours en fonction de ce qu'il est.
Je ne pouvais pas prendre le risque de t'affaiblir. Et ces Templiers devaient mourir. Mais la vérité, c'est que j'ai essayé. En particulier, quand je t'ai montré le trésor. Mais tu n'es pas comme les autres. Tu as vu au-delà de l'illusion. L'illusion ? C'est là sa raison d'être. Le trésor des Templiers. L'orbe d'Éden. La parole de Dieu. Ah oui, bon... Comprends-tu maintenant ? La mer Rouge qui s'ouvre. L'eau qui se trouve changée en vin. Eris qui provoque la guerre de Troie. Rien n'aurait été possible sans ceci. Tout cela n'était qu'illusion. Votre plan n'est rien d'autre qu'une illusion. Forcer les hommes à aller contre leur volonté. Est-ce vraiment moins réel que les fantômes que poursuivent les Sarrasins et les Croisés en ce moment ? Que la lâcheté de leurs prétendus dieux pour lesquels les hommes vont jusqu'à s'entretuer ? Ils vivent déjà dans l'illusion. Je leur en propose une autre. Une autre moins sanglante. Mais c'est à eux de faire leur propre choix. Un choix ? Se convertir ou passer pour un hérétique ? Vous vous trompez. Ah, voilà que la logique t'abandonne, pour céder la place à l'émotion. Vraiment, tu me déçois. Alors nous sommes dans une impasse. Quoi que je te dise, je n'arriverai pas à te convaincre. Il est encore temps de renoncer à vos sombres desseins. Tu as raison, nous sommes dans une impasse. Oui, effectivement. Tu me manqueras, Altaïr. J'ai toujours vu en toi mon plus brillant disciple. Ça m'a chié. Tu es aveugle, Altaïr. Merde, mais il se dépêche. Tu le resteras à jamais. Voilà. C'est de la mort subite ? J'ai vu une lumière là-bas. Et il se fout de ma gueule en plus. Et j'ai une solution. Mon épée déchire le voile de l'obscurité. Elle voit pour moi. Non, non, tu me lâches. You. Tiens ! Meurs ! Impossible. L'élève ne peut pas vaincre le maître. Ah si ? Vous me l'avez appris. Rien n'est vrai, tout est permis. C'est fini. Tu as gagné. Tu mérites amplement ta récompense. Vous déteniez un pouvoir immense. Vous auriez dû le détruire. Détruire la seule chance de mettre un terme aux croisades et de ramener la paix. Jamais. Eh ben, alors je le ferai. C'est ce que nous verrons. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. Me dites pas que c'en est tous. Eh bien, tu as dit que tu voulais le détruire. Je ne peux pas. Aussi tu le peux, Altaïr. Et le veux-tu? C'est le bordel!
C'est le bordel. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien? Nous avons la carte. Combien? 6, peut-être plus. Pas besoin de tous. Nous devons prévoir une marge d'erreur. Je ne peux pas croire que tous seront en état de marche. Et au moins 2 se trouvent sur des continents aujourd'hui immergés. Nous allons envoyer une équipe sur chaque site pour vérifier. Un seul nous suffira amplement. Et les autres? Nous les récupérerons, ne prenons pas de risques inutiles. S'il reste un seul survivant, il pourrait venir troubler la tranquillité de notre nouvel ordre. Et l'assassin? Il ne nous sert plus à rien. Tuez-le. Attendez. Pour le moment, nous ne sommes sûrs de rien. Je doute que ce soit aussi facile. Expliquez-vous. Nous avons encore besoin de lui, de ses souvenirs. On devrait le garder en vie tant que nous n'avons pas fini d'explorer tous les sites. Qui sait ce qui nous attend là-bas? On perd notre temps. Vous l'avez dit vous-même. Nous ne devons pas prendre de risques inutiles. Très bien. Mais quand nous n'aurons plus besoin de lui, tuez-le. Bien. Arrêtez de saper mon autorité. Je viens de vous sauver la mise. Ne traînons pas. Nous avons beaucoup à faire. N'allez pas croire que vous êtes tiré d'affaire, Monsieur Miles. Nous reviendrons bientôt. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça? The fuck? Ce qu'il y a dans la chambre. Ça alors? C'est du sang? Qui était enfermé avant moi là-dedans? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Je me demande ce que ça signifie. Bon bah c'est fini. Bon voilà. C'est un peu violent comme fin quand même. Bon, on en a fini avec Assassin's Creed 1. Donc les prochains devraient plus tarder à arriver. Hein. Donc on va se laisser sur cette fin brutale de Assassin's Creed 1. Donc, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve très vite pour Assassin's Creed 2 et tous les suivants. Puisque pour moi, y a le 4 qui sort même en octobre. Donc ça va vite arriver. Hein. Donc salut et à la prochaine.